Bonjour tout le monde, la question des tirailleurs sénégalais a été un peu dans l'actualité ces derniers temps avec le film avec Omar Sy qui est sorti et dont les interviews aussi ont provoqué des polémiques avec certains euh, courants politiques Voilà, mais euh, bon, on ne rentre pas dans ces polémiques mais faisons un petit point historique du coup sur euh, les tirailleurs Alors il y, y a eu des publications qui ont été faites, des articles, il euh, y a des historiens qui ont travaillé dessus Il y a notamment, je me suis, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est un entretien avec l'historien Anthony Guyon qui a fait une thèse sur l'histoire des tirailleurs euh, sénégalais et euh, qui a euh, publié un livre Histoire des tirailleurs sénégalais de l'indigène aux soldats de 1857 à nos jours. Donc euh, n'hésitez pas à aller vers là pour euh, approfondir le sujet. Mais du coup, les tirailleurs sénégalais, c'est quoi Il faut savoir que dès le début de la colonisation, la France va recruter du personnel parmi les populations autochtones. Des guides, des interprètes. Interprètes, 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 interprètes. Interprète. Mais également du coup des soldats. Et ça, ça va commencer du coup en 1157 par un décret de l'empereur pour créer du coup le corps des tirailleurs sénégalais qui rassemble alors 500 hommes. Il faut voir que donc l'armée française manquait alors d'effectifs dans les colonies et va choisir de recruter au sein de la population locale pour augmenter ses effectifs, ce qui devait également aider la France à combler son retard démographique sur l'Allemagne, l'ennemi allemand encore à l'époque. À l'époque, c'était pas encore l'Allemagne, c'était encore la Prusse et puis l'Empire autrichien, mais c'était quand même euh, voilà une puissance à côté. Qui, qui grandissait, Dans la Prusse c'était une puissance qui grandissait à ce moment-là et démographiquement c'était un espace qui était plus peuplé que la France et qui une quinzaine d'années après va mettre une, une belle raclée à la France. Ça s'accompagnait également de clichés racistes sur les Noirs, naturellement prédisposés au port des armes. Donc ça va réunir des volontaires, mais également des anciens esclaves et des prisonniers de guerre. Quant aux sous-officiers, ils sont recrutés plutôt parmi, du coup, les chefferies, donc on prend les cadres classiques, traditionnels de ces sociétés pour en faire des sous-officiers et des officiers blancs qui encadrent tout ça. Leurs effectifs vont ensuite augmenter et ils vont servir lors des guerres coloniales, par exemple la conquête de Madagascar entre 1895 et 1905, la campagne du Maroc à partir de 1908, et du coup pendant la Première Guerre mondiale, qui sera l'aspect sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Et du coup, ils seront 200 000 à prendre part à ce conflit, 135 000 en Europe, le reste sera essentiellement en Afrique, par exemple contre le Cameroun allemand. Il faut aussi ajouter qu'il y avait des Sénégalais qui avaient une nationalité française en fonction d'où ils naissaient du coup et ils vont se battre dans l'armée à ce titre. Donc il faut rajouter quelques Sénégalais euh, nationalisés français dans le cadre qui vont participer à la Première Guerre mondiale. Quant aux tirailleurs sénégalais, ils ne viennent pas tous de l'actuel Sénégal, mais de l'ensemble des colonies françaises subsahariennes. Ça avait été préparé dès 1912 en prévision du conflit mondial parce que les tensions européennes montaient. Donc en France, on rallongeait le service militaire et eh bien on met en place la conscription dans les colonies pour augmenter les effectifs des tirailleurs. Et lorsque le conflit éclate, ben, bah, on commence à faire monter ses soldats pour venir se battre. Et du coup, dès le 17 septembre 1914, l'armée coloniale envoie à Métropole des unités de marche mixtes, euh, composées donc euh, de Sénégalais et d'Européens. Euh, donc, avec euh, la composition, c'est un bataillon africain pour deux bataillons européens. Et vont prendre part, du coup, ces, enfin, ces unités vont prendre part aux différents combats en France, Verdun, la Somme, Chemin des Dames, la défense de Reims également, mais aussi les Dardanelles, euh, la bataille des Dardanelles. Et du coup, ces unités sont composées, donc, comme je dis, il ben, y a les, les, les volontaires, mais il y a donc les réquisitions. Et durant la Première Guerre mondiale, la majorité des soldats sont réquisitionnés, ce qui va provoquer des résistances. Plusieurs ne souhaitaient pas forcément, avec grand enthousiasme, aller se faire tuer pour une guerre qui ne les concernait pas vraiment. C'était une guerre de la France. Eux n'avaient même pas la nationalité française. Donc il va y avoir des, des refus, des fuites, on, les chefs présentent que des invalides lorsqu'on leur demande des hommes. Certains vont se mutiler volontairement, ceux qui fuient vont aller parfois du coup, dans d'autres colonies d'autres pays pour ne pas être poursuivis, et on aura également des révoltes. Euh, la première du coup sera en 1915 avec les Bambaras du Mali près de Bamako. Et qui pendant six mois vont se révolter, donc de, ça débute au printemps 1915 jusqu'en novembre. Et face à ça, la France réagit déjà par la répression, ça réprime assez violemment ces, ces révoltes, et dans le même temps quand même, il y a à côté du bâton, il y a la carotte, en promettant euh, des droits, reconnaissance de l'égalité civique, abolition des discriminations institutionnelles, en échange de l'impôt du sang. On a également des promesses d'exonération d'impôts pour les familles de, de ceux qui vont s'engager, et on leur promet des fonctions avantageuses après-guerre. Euh, ces promesses ne seront pas que partiellement tenues. Celles sur du coup, la reconnaissance de l'égalité et l'abolition des discriminations ne le seront pas. Euh, pour ce qui est des avantages personnels, ce sera un peu plus accordé, mais pas non plus totalement. Ça va quand même permettre d'améliorer le recrutement, notamment aussi parce qu'il est assuré en, euh, par la suite par un Français noir d'origine africaine, Blaise Diane, qui s'était déjà illustré en prenant la défense des tirailleurs. Donc, du coup, c'est une figure qui inspire plus confiance que euh, le colonialiste classique. Et tous ces gens, même quand ils sont de coups forcés, seront qualifiés de volontaires. La France ne sera pas le seul pays, c'est loin d'être le seul pays à faire appel à des euh, soldats des colonies, toutes les puissances coloniales le font dans cette guerre, par contre c'est la seule qui va faire venir des soldats d'Afrique de, de, subsaharienne en Europe. Euh, les autres pays vont les employer directement dans leurs colonies, ou alors c'est des euh, d'Afrique du Nord qui viennent. Mais euh, donc là, c'est une particularité euh, française. Euh, ça ne fait pas non plus l'unanimité à l'emploi. Alors déjà, il y a l'Allemagne qui accuse la France d'utiliser des sauvages. Je cite, euh, voilà. Euh, de, donc euh, voilà. Mais après, l'Allemagne n'est pas une puissance coloniale, donc en plus, ils ont tout intérêt à dénoncer l'usage de ces soldats qui ne sont pas à leur avantage. On a également des commerçants qui ont des intérêts économiques en Afrique, dans les colonies, qui perdent de la manœuvre qui s'y sont Mais également certains socialistes et certains antimilitaristes très rares à ce moment-là du coup du conflit. Qui dénoncent l'utilisation et le sacrifice de ces euh, personnes des colonies et ils vont du coup bah, participer au combat tout autant que les euh, métropolitains. Pour ce qui est du combat, euh, des taux de perte au combat, on est sur des chiffres assez proches que ceux du coup des autres euh, des soldats français et blancs. Euh, par contre, ils vont être plus durement touchés par les maladies et le froid auxquels ils sont moins habitués, puisque bah, voilà, ils viennent de pays chauds, donc c'est sûr que quand ils te, tu te retrouves dans la somme d'un coup, pas le même climat. Donc on a eu à peu près un taux de perte entre 21 et 22% parmi eux de morts, de morts, euh, en sachant qu'il y a eu énormément de, de de blessés, et plus les traumatismes, et ça voilà, comme bah, tous les soldats euh, qui ont pris part à cette guerre. Même si au final ils ont plus de pertes, du coup ce n'est pas un... ils n'ont pas été sacrifiés intentionnellement, comme ça peut parfois être affirmé, euh, même si il y a quand même euh, ça a été envisagé euh, parfois, notamment Nivelle qui a envisagé de les utiliser comme canon, mais de fait... Comme on l'a vu, ils étaient organisés en troupes mixtes et donc ces offensives étaient menées par des troupes mixtes. Et donc les deux groupes étaient le plus souvent exposés au même risque. Et dans l'ensemble, en fait, c'est l'ensemble du bas peuple qui va être sacrifié par le commandement militaire. Ils étaient par contre moins envoyés au front l'hiver du fait de leur état de santé. En hiver, la plupart n'étaient plus en état de se battre. Et alors, durant ces périodes, ils servaient plutôt à l'arrière, euh, comme travailleurs ou comme troupes de maintien de l'ordre. Euh, de même que certains blessés. Euh, ce qui va permettre plus de contacts entre les populations que ce qu'il y avait avant. Parce que bah, c'est vrai qu'avant, la grande majorité des Français n'avaient jamais vu un, un Africain. Euh, mais ça va quand même être des contacts assez limités. Et de fait, l'image véhiculée... Par la propagande de cette population-là, va quand même rester plus importante que ce que les gens ont pu voir par eux-mêmes, parce que ça reste des minorités. Du coup, après la, après la guerre, beaucoup vont être démobilisés il n'était ainsi plus que 57 000 en 1920. Ceux qui ont démobilisés vont obtenir ainsi des postes importants au sein de l'administration coloniale pour en faire des relais du pouvoir français. Par contre, pour ce qui est des compensations financières qui devaient être versées aux familles, elles ne seront pas toujours versées, et parfois elles seront aussi détournées par les chefs de village. Et de même, les exemptions d'impôts ne seront pas appliquées. Euh, donc voyez que les promesses ne sont pas tenues. Et après, du coup, ils vont continuer de servir. Alors on va... C'est plus le sujet de notre vidéo, puisque voilà, c'est en réaction au film qui parle de la première guerre mondiale. Mais on va les retrouver dans différents combats durant l'entre-deux-guerres et ils vont servir durant la deuxième guerre mondiale. Ils seront à peu près 140 000. Ils seront euh, ceux qui vont prendre part à la campagne de France, qui vont finir prisonniers par, euh, par l'occupant allemand, vont être plus durement traités que les Français par racisme. Ils vont ils vont aussi également prendre part aux guerres de décolonisation, d'indépendance. Il y aura 60 000 hommes en Indochine, 5 000 en Algérie. Mais voilà, nous n'allons pas développer euh, ce sujet. Nous, nous évoquerons probablement dans de futures vidéos la question de la participation d'étrangers à la France libre et à la résistance. Donc ce sera l'occasion aussi d'évoquer euh, la place de ces tirailleurs sénégalais dans euh, la France libre. Mais ça, ce sera du coup une de futures vidéos, une autre histoire. Et ce corps sera finalement dissous en 1960. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Au revoir tout le monde.